Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser 8 positions d'accords enrichies, donc avec des couleurs particulières, sans utiliser de barré du tout, mais par contre en utilisant à chaque fois les 4 doigts à la main gauche, en plus du pouce derrière le manche, pour donc chacun des accords. Donc ça va faire une sorte de gymnastique digitale à la main gauche, et à la main droite, on jouera en arpège. Donc avant tout, je vous invite à vous rendre sur instinctguitare.com en dessous de la vidéo pour télécharger les tablatures. Elles sont au format PDF et éventuellement au format GP si vous utilisez Guitar Pro 7 ou 8. Et donc on va tout de suite commencer par détailler les différentes positions d'accords, les fameuses 8 positions d'accords à 4 doigts. On va commencer par une position d'accord qui est un Sol sus 2 avec une 7e majeure et une 6e ou une 13e. Donc ça ferait un nom d'accord assez complexe. Du coup, pour le simplifier, on va considérer qu'il s'agit d'un Ré majeur Ad9 avec une basse en Sol. Donc on va le jouer avec le majeur sur la 3e case de la corde grave, on n'utilisera pas la 5e corde, on aura le petit doigt sur la 4e case de la 4e corde, l'index sur la 2e case de la 3e corde, le majeur sur la 3e case de la 2e corde, et la corde aiguë jouée à vide. Donc ça veut dire qu'ici, on a un Ré majeur Ad9, et on rajoute la basse en Sol. C'est un accord suspendu qui est assez riche. Il n'est pas forcément très compliqué à positionner, mais il peut être délicat de l'enchaîner rapidement puisque la position des doigts demande une certaine précision. Il faut que les 4 doigts soient au bon endroit pour pouvoir jouer l'accord. Le deuxième accord va être un Mi mineur 9, mais plutôt que de relâcher tous les doigts et de repartir sur une nouvelle position d'accord, on va essayer de voir quels sont les points communs par rapport à l'accord précédent. Donc si on se base sur le Ré majeur Ad9, basse en Sol que l'on vient de jouer, on va pouvoir conserver les deux petits doigts là où ils étaient. Donc on relâche juste l'index et le majeur. On va placer l'index sur la 2e case de la 5e corde et le majeur sur la 2e case de la corde aiguë. Et on va rajouter la corde grave à vide pour avoir la basse en Mi. Et là on obtient un Mi mineur 9, c'est-à-dire un Mi mineur avec une 7e mineure et une 9e ajoutée. Donc en partant du Sol, du Ré majeur Ad9 basse en Sol, on a simplement 2 doigts à bouger pour passer au Mi mineur 9. Donc vous pouvez vous entraîner à enchaîner ces 2 positions d'accord déjà pour vous habituer à simplement faire évoluer les doigtés plutôt que de repartir à zéro sur chaque accord. La 3e position va être un accord Do majeur 9, donc un Do majeur avec une 7e majeure et une 9e. On va le jouer en conservant l'index et le petit doigt dans la même position, mais en avançant toute la main d'une case. Donc l'index va tomber sur la 3e case et le petit doigt sur la 5e. On place ensuite l'annulaire sur la 4e case de la 3e corde, et le majeur sur la 3e case de la 2e corde. On a toujours la corde aiguë à vide, et là on ne joue plus la corde grave. Donc là on obtient un Do majeur 9, donc Do majeur 7e majeur avec une 9e. La position suivante va correspondre à un Si mineur 11, donc un Si mineur avec une 7e et une 11e, l'équivalent d'une carte. Donc on va pour ça reculer la main d'une case, donc l'index revient en 2e case et le petit doigt en 4e, et on va inverser le majeur et l'annulaire au niveau des cordes. Donc le majeur monte sur la corde du dessus, tandis que l'annulaire descend sur la corde du dessous. Donc ils se retrouvent respectivement sur la 2e case de la 3e corde et la 3e case de la 2e corde. On joue la corde aiguë à vide en plus pour avoir la fameuse 11e qui nous permet de compléter le Si mineur 11. La position suivante va revenir sur une basse en Sol, mais cette fois avec une position différente dans les aigus. On va jouer un Fa majeur 7e basse en Sol. Donc pour le Fa majeur 7e, on va utiliser le petit doigt sur la 3e case de la 4e corde, le majeur sur la 2e case de la 3e corde et l'index sur la 1ère case de la 2e corde. On a la corde aiguë qui est jouée à vide. Et si on joue donc les 4 cordes les plus aiguës, on obtient un Fa majeur 7e majeur. Et si on rajoute le majeur sur la 3e case de la corde grave, ça permet de rajouter la fameuse basse en Sol. Le 5e accord va être un La mineur 9, donc un La mineur avec une 7e mineure et une 9e. On va le jouer en conservant l'index là où il était, sur la 1ère case de la 2e corde. On monte le majeur sur la 4e corde, toujours en 2e case. Et on relâche les 2 autres doigts, puisque le petit doigt va se placer sur la 4e case de la 3e corde. Et l'annulaire sur la 3e case de la corde aiguë. Et on joue la 5e corde à vide pour avoir la basse en La.
un accord qui a une sonorité vraiment intéressante, mais qui n'est pas forcément évident à jouer, puisqu'il faut faire en sorte de suffisamment relever les doigts pour ne pas étouffer les cordes d'à côté. Sans quoi on aurait des bruits parasites. Donc là, on a le La mineur 9. Après quoi, on va revenir sur le Do majeur 9 que l'on a déjà vu. Donc ici, c'est un accord supplémentaire. On pourrait le considérer comme un neuvième accord, mais c'est exactement le même que celui qu'on a déjà joué. On va ensuite avoir un renversement, un accord de La majeur, basse en Do dièse. L'avantage, c'est que par rapport à la position précédente, on va avoir des doigtés assez similaires. On va avancer la main d'une case, donc l'index tombe sur la quatrième case, et on avance les trois autres doigts encore d'une case. Donc on obtient ici, avec ces trois doigts, une triade de La majeur, avec le petit doigt sur la septième case, l'annulaire sur la sixième et le majeur sur la cinquième. Et par contre, l'index est sur la quatrième case de la cinquième corde pour jouer la basse en Do dièse. Donc un La majeur basse en Do dièse. Ce qui fait que depuis la position précédente, il suffit de faire glisser tous les doigts, mais seulement d'une case pour l'index et de deux cases pour tous les autres doigts. Et enfin, le dernier accord sera un Ré 7 sus 2 sus 4, donc un Ré suspendu avec une seconde et une quarte, ainsi qu'une septième mineure. On va le jouer avec le majeur sur la cinquième case de la cinquième corde, l'annulaire en dessous en quatrième corde, le petit doigt encore en dessous en troisième corde, et l'index se place sur la troisième case de la deuxième corde. Et on aura l'accord aigu à vide. Donc là, on obtient bien un Ré 7 sus 2 sus 4, qui est un accord vraiment suspendu. À la main droite, on va jouer en arpège en utilisant les 5 doigts. On aura l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire placés sous les 4 cordes les plus aiguës, et ils resteront systématiquement sur ces cordes. Donc à chaque fois qu'on aura besoin de jouer la quatrième corde, ce sera toujours l'index, pour la troisième corde toujours le majeur, et ainsi de suite. Par contre, pour les deux cordes graves, selon l'évolution des basses des accords, on utilisera le pouce soit sur la sixième, soit sur la cinquième corde. Rythmiquement, on va jouer en ternaire en utilisant des mesures à 4 temps, donc des mesures à 12-8, qu'on aurait pu séparer en deux mesures de 6-8, mais ici, on va considérer qu'on a une mesure par accord, et donc 4 temps sur chaque accord, et comme il s'agit de temps ternaire, on aura 3 notes par temps, soit 12 notes au total. Donc on va commencer par l'accord Ré ad 9 basse en Sol, et on va placer le pouce de la main droite sur la sixième corde, puisque la basse de cet accord est sur la sixième corde. On commence donc à jouer la basse, puis on joue la quatrième corde avec l'index, le majeur, l'annulaire, majeur, index. On repart sur la basse avec le pouce, puis on va jouer les quatre cordes les plus aiguës, donc petit doigt, annulaire, majeur, index, et de nouveau la basse. On passe alors sur le deuxième accord, le Mi mineur 9, et on va jouer à peu près de la même façon. Donc on commence avec le pouce sur la corde grave, puis index, majeur, annulaire, majeur, index, de nouveau le pouce. On part sur la corde aiguë, petit doigt, annulaire, majeur, index. Et par contre, sur la dernière note de la mesure, au lieu de rejouer la basse sur la corde grave, là on va jouer la cinquième corde avec le pouce, puisque ça va faire une évolution de basse pour aller sur l'accord suivant, dont la basse se situera justement sur la cinquième corde. Donc on déplace le pouce juste pour la dernière note. On passe alors sur l'accord Do majeur 9, en avançant toute la main d'une case. On déplace donc le pouce de la main droite sur la cinquième corde, puisque maintenant la basse en Do est sur la cinquième corde. Et on joue avec le pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index, pouce, la corde aiguë avec l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index, et on finit par la basse avec le pouce sur la cinquième corde. On va faire la même chose sur l'accord Si mineur 11, donc on place l'accord à la main gauche et on joue de la même façon à la main droite. Les mêmes doigtés. On arrive alors sur l'accord Fa majeur 7 basse en Sol.
Donc cette fois, la basse revient sur la corde grave, donc le pouce se place sur la sixième corde, et on joue pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index, pouce, puis les cordes aiguës avec l'auriculaire, annulaire, majeur, index, et on finit avec la basse sur la corde grave. On arrive alors sur l'accord La mineur 9, donc avec la basse qui se trouve sur la cinquième corde, donc on déplace le pouce de la main droite, on joue la cinquième corde, puis index, majeur, annulaire, majeur, index, pouce, et les cinq cordes les plus aiguës, donc auriculaire, annulaire, majeur, index, et de nouveau le pouce. Pour la mesure suivante, on va jouer deux accords, donc chaque accord ne durera que deux temps, soit six notes. On va commencer par le Do majeur 9 que l'on a déjà vu, et on joue les quatre cordes centrales, donc avec le pouce sur la cinquième corde, index, majeur, annulaire, et on revient, majeur, index. À ce moment-là, on change d'accord, on passe sur le La majeur basse en Do dièse, et on rejoue de la même façon à la main droite. Pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Et enfin, on arrive sur la dernière mesure où on va avoir l'accord Ré 7 sus 2 sus 4. Et là, on va jouer avec le pouce sur la cinquième corde, puis index, majeur, annulaire, majeur, index, pouce, et les cinq cordes les plus aiguës. Auriculaire, annulaire, majeur, index, et on finit avec la basse, avec le pouce. Et là, on va pouvoir repartir sur le premier accord, le Ré ad 9, basse en Sol. Donc à la main droite, les enchaînements d'arpèges ne sont pas très compliqués, le schéma est assez répétitif, il faudra simplement surveiller à quel moment placer le pouce sur la sixième ou sur la cinquième corde. Donc la difficulté vient surtout du positionnement des doigts à la main gauche pour enchaîner ces différentes positions d'accords. Donc enchaînons tout ça avec le métronome. N'hésitez pas à travailler sur un tempo assez lent au début, puisque les enchaînements peuvent être assez complexes, même s'ils sont probablement moins fatigants que des accords barrés. Mais par contre, faites attention de ne pas trop appuyer sur les doigts. C'est souvent le défaut que l'on a lorsqu'on est sur des positions complexes. On a tendance à vouloir appuyer beaucoup plus fort que ce qui est réellement nécessaire. Donc essayez de placer un accord. Et une fois que les doigts sont au bon endroit, essayez de prendre conscience des tensions inutiles et essayez de détendre chaque muscle, chaque doigt, de manière à avoir vraiment l'appui minimum. Et ça peut être différent pour chaque doigt. Parfois, certaines personnes ont tendance à appuyer très fort sur le petit doigt, d'autres plutôt sur l'index. Donc à vous d'identifier pour chacun des quatre doigts quels sont les appuis excessifs. Et même chose pour le pouce derrière le manche, faites en sorte de ne pas appuyer trop fort pour ne pas tétaniser la main et avoir des positions trop raides. Alors évidemment, par rapport à des positions d'accord standard qui sont beaucoup plus simples, on a une tendance naturelle à vouloir appuyer un peu plus fort, mais si on réussit à prendre conscience de ces tensions inutiles, on peut arriver à détendre un peu la main et pouvoir enchaîner les positions plus facilement. Donc j'espère que ces positions d'accord vous auront intéressé, à la fois pour le côté harmonique et les enrichissements qu'ils apportent,
et pour le côté technique au niveau de la gymnastique que ça demande pour pouvoir enchaîner ces différentes positions. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger les tablatures sur le site en dessous de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur instinctguitare.com.